Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve en Nuage Run, bien évidemment, j'espère que vous allez bien. Et on va tester quelque chose aujourd'hui. Alors j'aimerais faire un truc, c'est quoi qu'il arrive, même si on a du diamant, etc. Faire une game où on arrive au PVP en full fer au niveau du stuff. Donc en gros on se met full fer, le maximum qu'on peut en protection. Le but c'est voilà, vraiment pas avoir de pièces en diam, sauf l'épée. On aura le droit bien évidemment de faire l'épée en diam pour faire plus de dégâts, on aura le droit de faire les potions. Donc voilà, un petit challenge. Je vois si on arrive à faire quelque chose et voilà. Après par contre si on tue quelqu'un au PVP et qu'il nous donne du stuff en diams, on pourra bien évidemment l'équiper, on a juste pas le droit de le crafter. En tout cas je vais essayer de réussir ce challenge. Si je réussis pas je referai un épisode 2 un petit peu comme ça et je pense que ça peut être très sympathique. Ouais, ça change d'un UHC run classico-classique où il se passe pas grand chose. Voilà, donc on attend la game, on se retrouve tout de suite à l'intérieur. Ah, allons-y, let's go, en avant les amis. Voilà, on est parti, du coup la petite game peut commencer. On est bien évidemment dans un biome neige, on adore tout ce qu'il y a de plus extraordinaire. Donc voilà. Bref, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va faire les trucs basiques hein, de début, etc. Nous, on se retrouve juste après parce que là, c'est juste chiant, quoi. Voilà, chers amis, on se retrouve. Donc, j'ai fait les trucs basiques de départ. J'ai pris les pommes, tac, ça. J'ai pris de quoi faire, bien évidemment. Ce qui peut être très intéressant, là, c'est bien évidemment d'avoir les bibliothèques pour faire rapidement des enchantes très stylées. Donc là, voilà, le but, prendre un maximum de level. Voilà, j'ai trouvé un petit peu de diamant aussi. Oh, il y a quelqu'un qui est mort. J'ai trouvé un petit peu de diamant au fond d'un petit lac, comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas pour faire la pieuse, ça peut être pas mal. Et là, du coup, j'ai vu une petite faille à un endroit, voilà, qui peut être bien sympathique. Voilà, il y a un petit peu de diamant et tout, mais nous, on s'en fout, on veut du... Et il y a un nether. Nickel. Nickel, nickel. Donc on va se dire que c'est plutôt pas mal. Et voilà, on va faire ça tranquillement. On va se faire un petit stuff faire déjà, histoire de dire, on va se faire un seau d'eau et tout. Et le nether, c'est vraiment, ça peut être la gagne. Voilà, on se retrouve. Bon, je me suis fait un petit stuff en fer. J'ai pris une petite épée en diamant parce que c'est le seul item que j'ai le droit de prendre. Du power, nether wart, on prend également. Mais là, c'est plutôt pas mal. La meilleure configuration qu'on pouvait attendre de cette UHC, c'était ça. Par contre, il y a énormément de mobs. Voilà, il y en a un petit peu moins du coup. Par contre, ouais, on va éviter de mourir dans le nether dès le départ. Ça pourrait être plutôt pas mal. Hop, hop. Et de toute façon, j'ai quelques gapples en plus, vu que j'en avais de base ici. Je vais laisser un petit peu son dans mes oreilles, ça m'a fait putain de mal. Voilà, là, des fils parce que je n'en avais pas. Là, on va faire ça. Et voilà, franchement, voilà, quelques petits niveaux supplémentaires, ça fait pas de mal du tout. Hop. Par contre, il y a trop de creepers, c'est un truc de dingue. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade mental. Hop. Hop. Voilà, meurs, toi, là-bas. Très bien. Ici aussi. Et là, on va récupérer du sharpness infini. Oh, Infinity, ça aurait été pas mal en vrai. Infinity, c'est pas mal. Peut-être jouer à l'arc. Non, on va pas jouer à l'arc. Non, non, pas cancer, arc, etc. On s'en balance. Voilà, donc on a juste à retourner peut-être dans la petite faille, faire quelques ressources. Et franchement, on est bien. Hein. Franchement, on est super bien. Les amis, on se retrouve. Bon, voilà, j'ai à peu près pas mal de choses. Voilà, 66 d'or. J'ai chopé un petit peu d'obsidienne. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais là, j'ai fait un petit peu le tour de la faille. Et il y a quand même pas mal de choses. Et là, je viens de rencontrer un autre nether. Est-ce que c'est pas extraordinaire ça? Parce que comme on a besoin de pas mal de level, je vais quand même aller chercher les petites fioles d'XP qu'on peut trouver dans le nether. Là, rien à pop, donc ça c'est cool. Hop. Et on peut avoir des livres sharpness dedans, Fire Aspect, donc ça pourrait être pas mal au final d'avoir... Ouh! D'avoir la possibilité d'avoir un petit peu de Fire Aspect. Par contre, on va éviter de mourir, ça serait bien. Ce serait bien, ce serait bien. Hop, hop, ici. Là, quelques petits levels en plus. Putain, il y avait un livre Flame, et tout à l'heure, Infinity. Putain, on aurait pu faire un truc tellement stylé en vrai. Ah, oh là là. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. Bon, écoutez, on se retrouve dans un instant, l'histoire de faire un petit peu d'enchantement, peut-être, parce qu'il va être le time. Voilà, chers amis, on se retrouve dans la salle des opérations. Donc là, on va faire vite fait quelques petits enchants. Donc, j'ai pris, bien évidemment, un petit peu de diams. Hein. Je vous ai dit que j'allais faire quand même des épées en diamant. Tac, je vais juste jeter les merdes qui servent à rien, du genre ça, ça, voilà, vite fait, tac, tac, tac. On a fait ça, on va faire les stands, les bons stands, voilà, voilà, ça, ça, ça. On va les mettre en position quelque part pour qu'ils puissent faire les petites potions. Ici, il faut faire bien évidemment les fioles. Est-ce que... Oui, j'ai cru que j'avais oublié de prendre les trucs pour faire les fioles, vous voyez ce que je veux dire? Là, on aurait été dans la merde, je serais... Mon eau, putain, non.
Heureusement que j'avais déjà fait les fioles avant, hein, parce que sinon je m'en serais voulu toute ma vie. Ouais, clairement toute ma vie. Ah là, le mec il était pas content, tu vois. Hop, ici on a un petit stuff en fer ici déjà. On va faire les bibliothèques. Quelques petites bibliothèques ici. Tac, j'ai encore du bois. Oh, j'ai eu peur aussi de plus avoir de bois, tu vois le truc. Le mec totalement délire qui oublie de faire ses bibliothèques. Hop, on va reculer un petit peu ça, comme ça on est tranquille. Mais on est posé là, vous voyez, on a le temps, donc on va s'enchanter, on se retrouve tout de suite. Hell yeah. Les amis, on se retrouve au PVP, j'ai un petit peu galéré, je voulais faire une Sharpness 3 Sharpness 4 Fire Aspect et j'ai pas eu assez de temps, bien évidemment. Du coup, je suis full protection 3, je vais vous montrer ça dans un instant. Là, c'était un petit peu la merde niveau timing, de toute manière. Donc là, j'ai une petite Sharpness 3, si j'arrive à me prendre quelques levels, on va essayer de combiner tout ça, mais c'était le temps était contre moi. En tout cas, on va voir un petit peu ce que ça donne, on est quand même pas mal stuff, full P3, c'est pas mal, j'ai du Death Rider aussi, je crois, donc... ça peut le faire très tranquillement. J'ai gardé ça au cas où je trouve de quoi faire vite fait un petit niveau. Il me manque un niveau en vrai, donc c'est pas très compliqué à faire. Donc on va voir un petit peu si ça peut être pas mal. Après les potions aussi vont pas mal nous aider. Là-bas il y a un mec. Oh bah putain, bah lui il est full fer. Lui il est mal stuff. Lui il est mal stuff. Hop, on va en profiter. On va faire un petit kill. Hop. Ok. Ok, lui aussi. Oh putain, mais ils sont tous mal stuff. Ils font tous le challenge ou quoi? Ils font tous le challenge? Ça se passe comment? Là, il y a des niveaux. Ok. Lui, il est pas gentil. Lui veut ma peau. Lui veut ma peau. Hop. Il va croire que je cheat. Ils vont croire que je cheat, les mecs. Hein. Ok. Je veux juste ma Sharpness 4 en vrai. Hop. Pour l'instant, je suis en train de tous les tuer. De toute manière. Mais par contre, il fait trop de dégâts. Faut que je le rush. Hop. C'est bon, je l'ai tué. Oh my god. Ok, j'ai de quoi faire des niveaux. Vite. Ok, là-bas il y a un mec, mais j'aimerais bien faire ma Sharpness 4. J'aurais été bien quoi, petite Sharpness 4 Fire Aspect. Ok, lui il m'a stuff aussi. Hop. Ok. Est-ce que protection 1 c'est de la merde? Protection 1 c'est de la merde. Il y a une Sharpness 4 ici. Là j'ai toujours ma Sharpness 3. Ok, on va essayer de la poser. Hop. Sharpness 4 Fire Aspect. Nickel. On est bien. On fait tellement de dégâts, les gars. C'est un délire. C'est vraiment un délire. Là, il y a un mec. Ok. Mais je pense qu'il y en a un qui va être trop fort et qui va me défoncer, je pense. Mais je pense que ça va arriver comme ça, mais... hop. Lui, il prend rien, par contre. Là, je vais mourir. Là, je sens qu'avec les deux contre moi, c'est un petit peu la mort. Ok, c'est bon. Vas-y, casse-toi. Hop. Faut que je mange. J'ai pas réussi à récupérer du stuff. J'ai fait tellement de kills, mais j'ai pas réussi à récupérer du stuff. Ok, putain, lui, il prend tellement rien, les gars. Il prend tellement rien. Oh. Hop. Faut me prendre un petit peu d'eau. Par contre, il me met tellement cher. Ok. J'ai quoi, là? La protection 1, mais c'est de la merde. Au final, je suis bien mieux stuff qu'un mec protection 1, je pense. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous avez des idées pour d'autres challenges, je sais pas si celui-là on va le réussir, mais si vous avez d'autres idées pour des challenges UH Run, je suis preneur. Par contre, ouais, il prend tellement rien, c'est un délire. Ok, casse-toi. Et moi, je prends trop cher. Je prends vraiment trop cher. Je pense qu'il a une Sharp 5 ou quoi, c'est pas possible. Soit en fait, je vais plus vite comme ça. De toute manière.
Je vais me battre dans... En fait, dans l'eau, c'est pas forcément le mieux pour moi, vu que j'ai une Fire Aspect. Hop. Hop. Allez. Allez, on va y aller jusqu'au bout, On va aller jusqu'au bout, ou avec lui. Putain, dommage, j'ai mis un cœur. Quel dommage. On a quand même fait 6 kills. 6 kills, c'est juste extraordinaire, je pense. C'était pas mal. Et entièrement en full pair. On a même pas mis... Après un stuff diamant, donc franchement, ça en est bien sorti. Je trouve que on n'a pas validé ce challenge vraiment en gagnant la game. 6 kills quand même. 6 kills en full fair. Après, on est tombé contre des mecs un petit peu, voilà, pas trop stuff non plus. Donc ça nous a servi un petit peu à faire un petit peu plus de kills. Mais c'est dommage, on est arrivé pas loin de la finale. Et lui, on l'a mis à 1 cœur alors qu'il prenait pas grand chose. Franchement, GG pour moi. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce petit challenge vous a plu. N'hésitez pas à en proposer d'autres et peut-être que celui-là, on retentera de le faire prochainement en vidéo. Encore merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous fais des bisous. Ciao, bye bye.